vous êtes ici dans un endroit assez fascinant de Paris, car toute l'histoire politique, mais aussi littéraire, s'est passée dans cet ensemble. D'abord, ce palais que vous avez là, c'était le palais que s'est fait construire le cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu était le premier ministre de Louis XIII, et le Louvre qui est derrière, c'était le palais du roi, et le cardinal de Richelieu était dans ce palais. Il voulait être juste tout près de la monarchie. Le cardinal de Richelieu, ce qui est très intéressant, c'est que avant de mourir, dans son testament, il dit « Je veux que ce palais reste le palais du roi » et qu'en aucun cas il devienne le palais de l'autre branche de la famille royale, les Orléans, car il est persuadé qu'à un moment de l'histoire, les deux branches de la famille royale, les Bourbons et les Orléans, vont se disputer et ça sera l'occasion pour la monarchie de se déchirer et peut-être même de laisser passer la République. Lorsque le cardinal de Richelieu meurt, le jeune Louis XIV est élevé ici, mais l'endroit n'est pas très sûr et la régente, Anne d'Autriche, emmène le jeune Louis XIV à Saint-Germain puis à Versailles. Le palais est libre et il va être prêté et loué aux Orléans. Et le cardinal de Richelieu avait raison. Donc nous sommes le 13 juillet 1789, en fin d'après-midi. Il fait chaud. Le peuple de Paris est descendu dans les jardins, manifesté contre la monarchie. Tout d'un coup, il y a un homme, vous le voyez là-bas, il tire une chaise, il est habillé de bleu, il a une cocarde bleu-blanc-rouge sur son chapeau, il sort deux pistolets, tire en l'air, la foule se met autour de lui et il se met à hurler « Citoyens, citoyennes, le moment est venu de faire la révolution. » C'est le 13 juillet, en fin de journée, c'est Camille Desmoulins, c'est lui qui va mener avec d'autres la Révolution française. Ils vont partir sur le Louvre, puis ils iront sur la Bastille. C'est le tournant. D'ailleurs, si vous ne faites pas de bruit, je crois que vous l'entendez, il y a là tout autour des cafés et on entend une petite voix corse. C'est Bonaparte qui vient haranguer ses troupes. C'est Olympe de Gouges, la féministe, qui vient réclamer les droits de la femme et de la citoyenne. Ce sont les Girondins, les Jacobins, tous les clubs révolutionnaires sont là et ils vont accompagner Camille Desmoulins vers son destin et vers la Révolution française. Et donc, le jeune Louis XIV et Anne d'Autriche ont eu raison de faire partir le roi d'ici parce que l'endroit n'est pas sûr. Je vous ai expliqué que ce palais était devenu après le palais des Orléans. Et nous allons arriver à un deuxième tournant de notre histoire. Nous sommes en 1830. Le peuple de Paris est redescendu dans les jardins du Palais Royal et dans tout le centre de Paris pour protester contre la monarchie absolue. Et ici, il y a le duc d'Orléans. Je vous ai dit que entre les deux familles de la monarchie, les Bourbons et les Orléans, ça va pas. D'ailleurs, au moment de la Révolution, c'est un Orléans qui a voté la mort du roi. Les Orléans attendent avec impatience de prendre le pouvoir. Le peuple de Paris est redescendu donc en 1830 pour manifester. Et Louis-Philippe, qui est ici, s'est dit « Mais c'est l'occasion ou jamais d'écarter la branche aînée, les Bourbons, et de prendre la place. » Oui, mais ceux qui sont là sont déjà presque des républicains. Alors Louis-Philippe prend contact avec eux. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Mais on veut bien que tu viennes le roi à trois conditions. La première condition,
si tu veux devenir roi, Louis-Philippe, tu vas prendre le titre de roi des Français et non plus de roi de France. Petite musique qui apparaît. Deuxièmement, tu vas avoir comme drapeau non plus le drapeau blanc de la monarchie, mais le drapeau bleu-blanc-rouge, celui qui a été agité sur les barricades en 1789 et qui a abouti à ce qu'on décapite le roi de France. Et Louis-Philippe accepte. Et puis surtout, voilà la troisième condition. Toi, le nouveau souverain, tu vas prêter serment de respecter la Constitution française. Alors qu'il fait quand même partie de la famille monarchique, et dans la monarchie absolue, on tient son pouvoir de Dieu. Eh bien, on dit non, tu n'es plus responsable devant Dieu. Tu es responsable devant les hommes. Et Louis-Philippe accepte. Il devient le roi des Français, le roi tricolore, et le roi qui aura consacré la suprématie de la Constitution sur le reste. Je vous ai dit que ce palais, monsieur Lévite, cet endroit avait connu tous les régimes politiques, les Bourbons, les Orléans, la République maintenant, l'Empire, puisque au moment de Napoléon III, ça a été un palais impérial, mais aussi toute la littérature. Car la Comédie française était là-bas, c'est là où Molière est mort en scène. Et puis si vous regardez autour, oh ben venez, suivez-moi, vous allez voir. Vous voyez ce petit homme qui avance là-bas? C'est Musset. C'est là où Musset vient écrire ses poésies. Et puis, ont habité tout autour de cet ensemble, là-bas, Colette, la grande Colette, qui a donné une âme au Palais Royal et qui sera la première femme en France à avoir des obsèques nationales dans la cour du Palais Royal en 1954. Mais ont habité aussi ici, naturellement, Malraux, Louise de Villemorin, mais aussi Cocteau, Jean Marais, Sacha Guitry, sont venus écrire dans ces jardins. Des hommes tels que Musset, je vous l'ai dit, mais aussi Molière, Diderot, Giraudoux. Bref, cet endroit est assez exceptionnel, puisque si l'on peut parler du génie français, c'est ce génie de la littérature et de la poésie. Et d'ailleurs, symboliquement, il est aujourd'hui fermé par deux théâtres. Le théâtre de la Comédie française, qui est là-bas et qui donne des répertoires classiques. C'est grâce à la Comédie française qu'on joue encore Racine, Corneille et Molière. Et puis à l'autre bout, le théâtre du Palais Royal, qui était au XIXe siècle le théâtre de la Contestation. Voilà, vous avez ici un palais exceptionnel où toute notre histoire politique, mais aussi les grands noms de notre littérature et de notre poésie viennent. Dans ce palais, quand je suis arrivé, j'ai enlevé tous les tableaux ou portraits des présidents de la République, y compris du général de Gaulle, ce qui m'a été beaucoup reproché. Pour une raison très simple, c'est que la justice constitutionnelle, elle est rendue au nom de la France, mais elle est aussi rendue au nom de cette femme exceptionnelle qui est Marianne. Marianne qui est le symbole de la République. Marianne a une histoire. Nous sommes au lendemain de la Révolution. Les parlementaires disent qu'il faut donner à la France une image, un symbole. C'est d'ailleurs l'époque où les philosophes considèrent qu'un pays, c'est comme un être humain. Ça naît, ça vit et ça meurt. On décide donc de donner à la France une forme humaine. Alors, quelques parlementaires disent, on va donner à la France l'image d'un homme, c'est la force, c'est la virilité. D'autres parlementaires disent, non, non. Donnons à la France l'image d'une femme, c'est la fécondité, c'est l'avenir. Très bien.
Comment appeler cette femme? Comment appeler cette femme? C'est une vraie question. La France politique de la Révolution française est déjà très laïque. Elle en a assez de cette Église catholique qui est l'État, qui s'est substitué à l'État. Les politiques vont rapidement nous emmener aux lois de séparation des Églises et de l'État. Mais la France populaire, elle est pénétrée des valeurs chrétiennes. Or, les deux prénoms les plus utilisés dans la chrétienté, c'est Marie et c'est Anne. Et on fait une contraction de Marie et de Anne, et ça devient Marianne, symbole de la République. Et donc là, vous avez une très belle pièce qui a été magnifiquement restaurée par les équipes spécialisées et où on a retrouvé tous les motifs de cet endroit qui était devenu le boudoir de Marie-Clotilde de Savoie. Nous sommes dans un palais national qui a une histoire. Nous essayons au mieux de respecter et de retracer cette histoire, mais il ne faut pas non plus oublier que nous sommes dans un endroit, une juridiction constitutionnelle, qui a ses contraintes. Elle sert de salle de délibéré, c'est-à-dire que lorsque l'audience publique a eu lieu, les membres du Conseil se réunissent ici pour statuer sur les affaires. Et vous avez là la reproduction de l'original de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes du malheur public et de la corruption des gouvernements, ont résolu, etc., etc. C'est ce texte fondateur des droits et des libertés. Et dans les décisions que nous rendons aujourd'hui, nous mentionnons très souvent les principes issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et d'ailleurs, cette déclaration a rendu célèbre la France des droits de l'homme. Quand on parle de la France des droits de l'homme, on fait référence à cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a véritablement, il ne faut pas oublier, nous sommes à la fin de la monarchie des Bourbons, avec des régimes extrêmement qui n'acceptent pas la liberté d'expression. C'est contre ça que sont élevés les révolutionnaires. Et donc ce texte est le symbole du nouvel ère. Ce grand salon, il y a un certain nombre de choses tout à fait remarquables. Ces deux tapisseries qui sont des tapisseries du roi. Il y a en dessous du blason l'ordre de Saint-Esprit, qui est l'ordre du roi. Il y a là le château de Fontainebleau, là-bas le château de Chambord. Elle faisait partie d'une série de tapisseries, il n'y en a plus beaucoup, et qui avaient été commandées par le roi. Elles sont faites au fil d'or, et elles sont tout à fait exceptionnelles. Là, vous avez un meuble qui est très intéressant, puisque ce meuble est une table pour consulter les cartes et qui bouge, et qui a été donnée par Napoléon à un maréchal d'Empire, et ce maréchal d'Empire avait la Légion d'honneur, et sur le pied de cette commode, de ce meuble, il y a la Légion d'honneur. Là, vous avez un superbe miroir qui est très intéressant parce qu'il est majestueux, et en haut, il y a l'effigie de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie de Montijo. Voilà ce grand salon, qui est le grand salon rouge, avec tous ces meubles qui ont été dorés à la feuille, qui, là aussi, vous assistez à la restauration, puisqu'on a entièrement restauré ce palais
avec des ouvriers tout à fait exceptionnels qui sont spécialisés dans ces restaurations de meubles, de mobilier. Le mobilier national français est exceptionnel. Et donc, vous voyez comme ils sont beaux. Et nous avons voulu réaffirmer le parti pris qui avait été pris au départ. C'est le salon rouge de la couleur des meubles. Ce qui est exceptionnel dans cette pièce, c'est ce parquet qui est composé de 4 bois différents, qui est d'origine. Il faut imaginer que c'était la campagne. Là, il y a maintenant les immeubles en face. Et quand je suis arrivé il y a 6 ans ici, les fenêtres étaient bouchées. Et donc on a rouvert ces fenêtres et le grand escalier n'avait pas été nettoyé depuis près d'un siècle. Il était noir et donc il a retrouvé ses lustres et son lustre. Et vous voyez ces colonnes noires, montrez-les là, vous voyez là-bas. Vous les voyez là-bas? Vous voyez ces colonnes noires? C'est très intéressant parce que au moment de la Révolution française, les républicains très laïcs se sont dit, mais les chrétiens, ils ont quelque chose d'astucieux. Avec le chemin de croix du Christ, ils font réaffirmer régulièrement la foi chrétienne. Alors nous allons créer le chemin de la régénération républicaine. Et il y avait été prévu 6 stations à Paris où on faisait venir les citoyens pour réaffirmer chaque année leur foi dans la République. Et là, vous avez 2 de ces colonnes noires et les 4 autres sont à l'entrée du Conseil. Je les ai récupérées, je les ai fait restaurer parce que nous sommes ici une juridiction constitutionnelle dont le rôle est d'affirmer les valeurs de la République. La République, ce n'est pas simplement une architecture, ce n'est pas simplement un Premier ministre, un président de la République, ce sont des valeurs hérité de la Déclaration des droits de l'homme que nous devons régulièrement réaffirmer.